c'est le grand jour, hein? Écoute, chérie, c'est pour son bien. L'intervenante a dit... L'intervenante a dit si, l'intervenante a dit ça. S'il te plaît, tais-toi, on en a déjà assez parlé. Bonjour, Madame Sanson. Monsieur Sanson, comment allez-vous ce matin? Bien, merci. Puis toi, mon bonhomme, comment ça va? On y va? Non, ce ne sera pas nécessaire de rentrer avec nous dans l'école. François est assez grand, hein? Je vais lui présenter sa professeure. Je te laisse avec Madame Tremblay, François. Sois gentil. Fais attention à toi, mon ange. On sera là à la fin de la journée, OK? Salut, mon grand. Passe une bonne journée, là. Qu'est-ce que François? L'école est commencée. Faut pas être en retard. Hey Martine! Bonjour, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Oh, tu nous apportes quelqu'un de nouveau? Oui, ils appellent François. Bonjour François, moi c'est Sylvain. Attends, laisse-moi vérifier quelque chose, ok? Tu permets de vérifier? Ici. Hey, passe une belle journée, mon François. Bien, on va aller voir Annie. Merci. Je te remercie, Martine. Approche mon temps, je vais te présenter à ta classe. Alors, tout le monde, c'est notre nouveau, François. Qu'est-ce qu'on dit au nouveau? Bonjour, François. Bonjour, François. Bienvenue chez nous. Ta place est ici. Alors, tout le monde, on sort nos cahiers à la page 252. Salut, tu veux venir t'asseoir à côté de moi? Je m'appelle Julie et toi, français, c'est ça? Moi, j'aime beaucoup les sandwichs au beurre de peanut. C'est pour ça que mes parents m'appellent peanut. Toi, c'est quoi ton dîner, toi? J'espère pas que c'est du thon parce que je suis allergique au thon. Non, OK, c'est bon. Mes parents trouvent que je parle beaucoup. Tu trouves-tu, toi? Tu me la donnes. Oh, merci. Savais-tu que quand on mange à tous les jours une pomme, on n'est jamais malade? C'est ça que mon père m'a dit. Faut manger beaucoup de fruits et de légumes parce que c'est très, très bon pour la santé. Tu vas où? Vas-tu à la toilette faire caca? Moi, je vais jamais à l'école parce que c'est sale, plein de microbes. Je reste ici pour surveiller ton dîner. Reviens vite avant que le cran vienne le prendre. C'est quoi ton problème avec ma Julie? Écoute-moi bien. Si je te vois encore avec elle, ça va de même. Je vais te casser la gueule. As-tu compris la main? Hey! Fais-moi signe que t'as compris la main! Fais-moi signe que t'as compris la main! Surveille. François, qu'est-ce que t'as? François, qu'est-ce que t'as? François, qu'est-ce que t'as? Oh,
dit que le message n'a pas passé. Je t'ai dit de plus toucher à ma Julie, mais ça continue à se tourner autour. Je t'ai dit, personne ne touche à ma Julie. Je vais tellement te faire manquer, tu vas t'en pleurer à 17 moments. Ça pourrait même l'aider dans son développement personnel. Votre fils a besoin de voir qu'il y a du monde à l'extérieur de cette maison. Ça va lui permettre de s'épanouir, de se faire des amis. C'est sûr que ça sera pas facile au début, mais c'est pas rendu à l'âge adulte qu'il va être le temps de l'apprendre. On va y réfléchir, Madame Tremblay. C'est là! Oh non, t'es-tu correct, François? Ça va maintenant, mon grand? J'ai parlé à la directrice. Les jeunes qui t'ont fait ça, ils vont être punis. C'est pas bien ce qu'ils t'ont fait. Il y a eu plus de peur que de mal, M. Sanson. La peur va s'estomper peu à peu. Tiens, mon ange, comme quand t'étais petit. Beurre de pinot de banane. À bien y penser, Mme Tremblay. Je pense pas que ce soit une bonne idée que François retourne à l'école. OK, François. On va faire comme avant. Heureux tous les trois. Qu'est-ce qu'il y a, François? Pourquoi tu veux retourner là-bas?